Yahoo Dimancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ton vendredi s'est bien passé. Aujourd'hui, je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi et on va parler de Stop Bullying Me. Stop Bullying Me est donc un manga en 2 tomes des éditions Boys Love dans leur collection à 4,99€. Nous sommes sur un manga dans le genre romance et tranche de vie, tout ce qu'il y a plus classique. La série est âge conseillé aux 14 ans et plus, et j'insiste sur le 14 ans et plus tout simplement parce que c'est une série où tu vas avoir 3 bisous ou 4, je sais plus trop s'il y en a un quatrième, mais en gros tu vois, tu as 3 bisous dans toute la série. Et nous sommes sur une œuvre qui date de 2006 au Japon et de juin 2013 en France pour son premier tome. On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures. Alors il faut penser qu'on est sur l'ancienne qualité de couverture de Boys Love avec ce genre d'illustration là. Après ils se sont améliorés, ils ont mis ce genre de truc. Mais voilà, c'est pas quelque chose que je vais prendre forcément en compte. Ce que j'aime c'est les couvertures qui sont très colorées, etc. Là on voit vraiment la relation entre le frère, les deux frères et le vice-président qui est ici. C'est celui-là, le grand. Et là, on voit vraiment la relation qu'on a avec nos 4 personnages clés de la série. Car lui, il finit par apparaître à la fin du tome 1. Et on le développe principalement sur le tome 2. Donc voilà. Qu'on enlève la couverture, on a en fait une autre illustration. Donc avec le couple. Et à l'arrière, on a l'illustration qu'on avait devant, donc rien à redire de spécial. Là, j'aime bien parce que justement, il est plus, c'est plus le couple et le frère derrière, donc ça, c'est pas mal. Il me semble pas, voilà, qu'on ouvre, on a juste ça, hop, et on commence directement la série. On n'a pas vraiment de page de sommaire, de travailler, ni rien du tout. Donc voilà, pour ce qui est du tome 2. On a une illustration par rapport à l'autre histoire qu'on a dans le bouquin. Et à l'arrière, on a la même illustration. Donc voilà, rien à dire de particulier. Quand nous, on a encore l'illustration. Ça, c'est recyclé, c'est un petit peu dommage. La couverture des limites version Jap, je suppose. Et on commence comme ceci avec un récap des relations des personnages. Et le sommaire, elle sait qu'il y a une très très belle image d'entrée. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin. Je te dirais que la qualité du dessin est plutôt agréable, surtout pour un manga de 2006. Donc j'ai trouvé la qualité du dessin plutôt sympa et voilà, je n'ai rien à y redire. Pour ce qui est de mon avis sur le manga, il faut savoir que c'est une relecture et qu'à l'époque où je l'avais lu, c'était vraiment au tout début de ma chaîne, vu que j'avais déjà fait un avis. Mais j'ai voulu le relire tout simplement parce que ça faisait un petit moment que j'en parlais quand même. J'avais recité récemment et je ne me rappelais plus exactement du scénario. Je me rappelais juste que c'était une histoire avec juste quelques bisous et encore. Et donc je voulais quand même en le relire pour pouvoir mieux en parler et surtout me rappeler de quoi il parlait exactement. Pour ce qui est du manga, on va être principalement sur un huis clos où on va suivre donc... Pour la série, donc on a le président du conseil des élèves, le vice-président et le petit frère du président. Donc on va les suivre principalement dans la salle du conseil des élèves. Et en fait, les deux frères ont un brother complexe, donc ils sont tout le temps collés l'un à l'autre, ils sont tout le temps en manque l'un de l'autre. Le grand frère ne supporte pas qu'on s'approche de son petit frère, qu'on y touche, etc. Donc c'est plutôt sympa et assez mignon, mais il n'y a rien de au niveau relation ou quoi que ce soit entre nos deux protagonistes, car en fait, on le sait dès le début, et ce n'est pas un spoil, le petit frère va tomber amoureux du vice-président et c'est là que la relation va commencer et c'est là que le manga commence réellement. On suit les aventures en fait du coup du vice-président et du petit frère et le grand frère qui est tout le temps en train de se mettre en travers leur route, en train de bouder parce que justement son petit frère préfère quelqu'un d'autre, etc. Le fait que le petit frère ait peur que son amoureux, le vice-président, pense qu'il préfère son frère et qu'il ne l'aime pas réellement, etc., etc. Et c'est une histoire plutôt sympa. Ce que j'ai bien aimé, c'était justement l'innocence du petit frère, et même s'il dit quelques petites phrases un peu perverses ou quoi, mais ça reste très mignon, ça reste très doux, etc. En fait, il demande, à un moment donné, il dit juste qu'il pourrait faire plus. Voilà.
Mais il n'y a pas d'image, il n'y a rien du tout. Voilà, il le dit juste à un moment donné qu'il voudrait faire plus, et il le dit de façon toute innocente. Il ne se rend même pas compte de ce qu'il dit réellement, mais voilà. Ce que j'ai aimé, c'était qu'on avait juste 3 bisous dans la série, donc sur les 2 volumes, donc ça reste très peu. Et c'est ça que j'ai aimé, c'était que c'était une relation tout en douceur, tout en légèreté, et c'est ça qui fait plaisir par rapport à tous ces yaoi où les personnages se sautent dessus tels des animaux en chaleur et en rut. Donc j'ai trouvé ça très agréable et ça fait toujours plaisir de le relire, même si là du coup je sais que je vais le revendre parce que je considère que je ne le relirai pas une troisième fois, ça c'est sûr. À l'époque où je l'ai gardé, c'était parce que je savais que je voudrais le relire. C'est fait, maintenant je me rappelle bien du coup de comment se passe le manga, je n'ai plus besoin de le garder et je vais le revendre, comme ça ça permettrait à une personne qui veut commencer le yaoi de pouvoir s'y intéresser. Donc en tout cas, très très bonne lecture, je suis plutôt content. Par contre, à savoir que il n'y a pas 2 volumes en entier, il y a plus 1,5 au niveau du scénario, et que sur le tome 2, après, on va avoir une histoire complètement opposée, enfin, qui n'a rien à voir. Et je crois que dans le tome 1 aussi, on a un chapitre qui n'a rien à voir avec l'aventure, ce qui est un petit peu dommage, mais bon, après, ça reste quand même correct au niveau du scénario. Et c'est une fin ouverte, mais qui est tout à fait logique, parce qu'on comprend que ça va continuer comme ça, en fait, et qu'il n'y a pas besoin de nous expliquer, nous raconter plus. Cette vidéo sur le yaoi Stop Bullying Me est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente et on partage. N'hésite pas à me dire justement si tu es intéressé par des yaoi tout doux comme ça ou si tu préfères les romances un peu plus développées. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas d'aller voir les 2 précédentes vidéos Bozo que je te mets ici. Ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Et mes réseaux sociaux ainsi que TikTok maintenant qui est assez récent. Et mon compte Vinted si le cœur t'en dit. Car comme je l'ai dit, celui-ci par exemple va être mis à vendre. Donc sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye.